1942, alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans la Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve, et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux, et le vieux con a dit d'avancer. Le sergent dit, mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent, et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture, et le vieux con a dit d'avancer. Le sergent dit, on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonfler. On avait de la flotte jusqu'au cou, et le vieux con a dit d'avancer. Soudain, un cri jaillit, suivi d'un sinistre glouglou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande. À présent, on s'en est sorti, juste à temps, le capitaine est mort là-dedans. Son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand le vieux con a dit d'avancer. Triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne vous sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux, et le vieux con a dit d'avancer. On en avait jusqu'à la ceinture, mais le vieux con a dit d'avancer.